Vive tension près de Ramallah en Cisjordanie où la police israélienne a commencé ce mercredi l'évacuation de la colonie juive d'Amona ordonnée par la Cour suprême d'Israël. L'opération a donné lieu à des incidents mineurs. Des jeunes venus, semble-t-il, d'autres colonies ont tenté d'empêcher la progression des forces de l'ordre. Pensez à vos frères, ne faites pas ça! Au cœur d'une bataille politico-juridique depuis des années, la colonie d'Amona avait été construite dans les années 90 sur des terres privées appartenant à des Palestiniens. Elle a donc été jugée illégale par la justice israélienne. Un déchirement pour ces familles qui ont tenté de résister pacifiquement à leur évacuation. Aucun de nous ne s'attaquera à la police, personne ne poussera. Et je demande aux policiers de ne pas avoir recours à la violence. Vous allez devoir me déraciner de ma maison, car ceci est ma maison. Environ 300 personnes vivaient ici. Selon un rapport, il y aurait près de 100 colonies illégales comme celle d'Amona disséminées en Cisjordanie. Parallèlement à cette évacuation, le gouvernement israélien a annoncé la construction de nouveaux logements dans les territoires occupés.